Il vaut mieux que je réponde. Oh non. Oh. Allô? C'est Rick. Tu as déjà mis ça hier. Allez, lève-toi. T'es de mauvaise humeur, maman? Oh, non, c'est pas ça. Ce sont des problèmes de grandes personnes. On pourra aller faire de la balançoire? Oh, je suis désolée, pas aujourd'hui. C'est mamie qui vient te chercher à l'école. Moi, il faut que je... Il y a des gens que je dois aller voir, tu comprends? Voilà, t'es belle comme ça. J'ignore pourquoi elle vient. Allez savoir ce qu'elle veut. Probablement pour nous dire de laisser sa famille tranquille. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Elle va peut-être nous donner un indice. De toute façon, l'enquête est plutôt au point mort. Ah, bonjour, Madame Todson. Evangeline Carter, vous connaissez l'inspecteur Holman. Alors, vous vouliez nous voir? Oui. Je vais vous répéter ce que j'ai dit quand je vous ai eu. À mon avis, la présence de votre avocat est souhaitable. Pourquoi? Pour défendre vos intérêts. Oh, ça, je peux le faire. J'ai fait des études de droit. Ah. Vous permettez? Vous permettez? Oui, bien sûr. Voilà. Il me semble que nous nous trouvons, vous et moi, dans une sorte d'impasse. Alors, j'ai pensé qu'un face-à-face serait bénéfique. Il y a toujours eu une espèce de compétition entre mon mari et son frère. Tous les dimanches, ils se retrouvaient pour jouer au baseball. Je me rappelle que ce jour-là, la partie était serrée. Dave lançait la balle et Rick était dans l'équipe adverse. Oh, allez, ça bouge. Oh là là. Allez, on se concentre. Regagnez vos places, les gars, allez. Attention, on reprend. Qu'est-ce qui t'arrive, petit frère? T'as les biceps sans coton, on t'attend, mon vieux. Allez, bouge. Allez, là, Stan, allez maintenant. Oh, oh, tu veux que je te montre comment on fait? Oui, dans la poche. Oh, quel ringard. Vas-y, Stan. Allez. Décidément, oh, Stan. Oh, là, oh là, c'était là, pourtant là, bien lancé. Allez, Dave, vise entre les yeux. Vas-y, Stan. Ah, c'est un coup de peau. Oh, oh, oh. Allez, Dave, ça dort. La mine, on va. Ouais, ouais, allez. Où tu parles, c'est un ringard. J'adore. On y va. Bah, il s'est pas visé. Bravo, belle mentalité. Mais pourquoi est-ce qu'ils le cherchent? C'est allez, une sorte de compétition entre eux. Dès qu'on les met sur un terrain de baseball, ils se comportent comme des sales mioches. Allez. J'ai toujours eu un faible pour les sales mioches. Oh, pas t'es impossible. Tu n'as pas changé. Vas-y, Rick, fonce, fonce. Renvoie la balle, renvoie la balle, renvoie la balle. T'es dehors, non. T'as pas touché le marbre. Hey, tu me prends pour un bleu ou non, quoi? Non, j'étais là le premier. Ouais, c'est ça, mon œil, j'étais là avant dehors. Toi. Non, attends, c'est dramatique. Vas-y, Dave, dis-leur. C'était pas loin? Pas loin. Bah, allez, sois équitable.
Il a touché le marbre. Non. Ouais. Hey, je t'aurai la prochaine fois. Sois pas mauvais perdant. On va manger? Hé, hey, je crois qu'on les a coiffés au poteau. Mais toi et moi, on fait une équipe d'enfer. Vous avez pas les chevilles qui enflent? Hé, Stan, ça en est où les effractions? Toujours rien. Quelles effractions? Chez les Larrabi, les Connors et les Rouches la semaine dernière, c'est ça? Quoi, dans notre rue? Tu lis jamais les journaux? La rubrique sportive, tous les matins, oui. Oh. Hé hey. Non, je plaisante pas, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, ils dévalisent les villas. Télévision, magnétoscope, bijoux, de l'argent. Et comment font-ils pour entrer? Tout simplement par les fenêtres. Nous avons doublé les patrouilles dans tout le quartier. Ne t'en fais pas, on va les avoir. Oui, espérons. Chez nous, ils peuvent se servir. On fera jouer notre assurance. Oh. Ouais, moi aussi. Je changerai enfin ma chaîne IFI. Arrête, c'est pas drôle. Si ça arrive quand je suis seule avec Tracy. Qu'est-ce que je dois faire, Stan? Démaquille-toi, ils partiront en courant. Oh, Gouja, frappe-le, pas. Oh, oh, non, non, ah, ah. Maman, maman, hey, c'est une attaque en règle. Non, non, ça va, je me rends, j'abandonne. J'en reviens pas, tu capitules devant deux pauvres femmes. La raclée d'aujourd'hui la ramène pas, tu veux? Quelle Stan, fais-nous une photo de famille, allez, venez. Oui, allez, venez, mettez-vous à côté. Ah. Bon, allez, bien, ma chère. Allez, viens, approche. Serrez-vous un peu, voilà, ça va être super. C'est dans la boîte. Quand est-ce que t'auras fini de peindre ma maison de poupée? J'ai vraiment envie de jouer avec. Bientôt, ma puce, je te le promets. Je t'aime très fort, papa. Moi aussi, je t'aime, ma beauté. Dors bien. Quoi? Danielson m'a demandé de préparer un dossier pour le conseil municipal. Ils veulent moderniser les équipements sportifs. Il devrait être nommé officiellement à sa place. C'est toi qui fais tout le boulot. Tout le monde est de cet avis, tu sais. Il faut être patient. Tout vient à point à qui sait attendre. Pourquoi t'as triché tout à l'heure? J'ai fait quoi? Ne fais pas l'idiot. Bah, de toute façon, ils étaient ex-aequo. Arrête, tu sais bien que c'est faux. Quand il n'y a pas d'arbitre et qu'il y a un doute, c'est l'équipe du batteur qui l'emporte. Ça fonctionne comme ça. Faut pas en vouloir à Rick. Et en vouloir de quoi? De te faire tricher? Je voulais juste que tu gagnes, pour toi, pour changer un peu. Tiens, j'ai un message pour toi. Quoi? La voiture de Rick est en panne. Je dois l'amener à son cours de gym. Le docteur Todson prend des cours d'aérobic? Oui, il prend soin de son corps. Il paraît. Très bien, montre-moi ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué avec mon bonhomme? Merci. Puis-je vous aider? Oui, je viens chercher Rick. Le docteur est avec un patient. Ah bon? Et de toute façon, ensuite, il a un rendez-vous. Bon.
Vous vous êtes trompée de jour, peut-être? Je ne pense pas, non. Au fait, on ne s'est pas présenté. Gwen, la belle-sœur de Rick. Oh, Carla Forrest, son assistante. Je m'occupe aussi du secrétariat du docteur. Je le préviens. Docteur Totson, votre belle-sœur est arrivée. Très bien, qu'elle m'attende dans mon bureau, j'ai terminé. Veuillez me suivre. J'ai déjà vu votre mari. Il est très gentil. Oui, c'est un amour. Et c'était quand? Oh, rien qu'une fois, ici au bureau. Je trouve ça super que vous soyez aussi unis. Vous faites vraiment partie de la famille. C'est un peu comme si vous aviez les deux frères Totson pour le prix d'un. À mon avis, Pat ne voit pas les choses comme ça. Oh, je ne parlais pas de... Non, pardonnez-moi. C'était une blague un peu douteuse. Cela dit, c'est vrai, nous sommes très unis. J'ai connu Dave quand j'avais 14 ans. Je n'ai pas connu d'autres garçons. Pat est ma meilleure amie, alors du coup, j'ai gagné un mari, un frère et une sœur. Plutôt rare, hein? Ah. Ça va? Le temps de me changer, j'arrive. D'accord. Oh, n'oubliez pas les messieurs qui viennent pour l'interphone. Oh, eh bien qu'ils repassent demain. On a déjà annulé deux fois. Alors accueillez-les. Vous y arriverez. En douceur! Oui! C'est ça! Les genoux! Plus haut! Plus haut! C'est bien! Et alors, ton voyage? Oh, Hong Kong est une ville fabuleuse. J'ai vu plein de fabricants, j'ai ramené tout un tas de produits. Et quand est-ce que tu me les montreras? Ça arrive la semaine prochaine, passer à la boutique. D'accord. Wow, mmh. Hong Kong, c'est Gary. Génial, vraiment. Ça va? Super, ton cours. Merci. Salut, Maggie. Bonjour, vous prenez quoi? De l'eau. Terrible, ce nouveau mouvement. Le truc où on fait un tour. Je savais bien que ça te plairait. Ah, ah ouais? Dis donc, si t'es prêt, j'aimerais y aller. Je dois récupérer Erika chez ma mère. Non, je vais rester, je vais faire un peu de muscu. J'ai appelé Pat, mais elle est pas là, elle avait des courses à faire. C'est pas grave, je trouverai bien une bonne âme pour me ramener à la maison. Pauvre bébé. T'en es sûr? Oui, sûr. Rentre. Vous dînez bien à la maison demain soir? Oui. Hein? Alors, chérie, viens ce café? Hey, on ne dérange pas trop? Laisse, il est très concentré. À quoi? Je te signale que je regarde. Non, pas en mangeant. T'as un problème, petit frère? C'est impoli. Tu veux mon avis? Recommence à fumer. Oh ben non, ne lui dis pas ça. Ah, depuis qu'il a arrêté, il est insupportable. C'est vrai que toi, par contre... Rick, calme-toi. On est vendredi soir. Chérie, on a des invités. La famille à dîner, c'est pas une affaire d'État. Bon, j'ai rien dit. Allez, ma puce, détends-toi. Viens avec moi au bar ce soir. Hmm? Oh. Ta mère garde Erika? Oui. Eh ben, on dépose Tracy, on y va tous. Moi, l'ambiance canette de bière et fan de baseball, non, merci. Non, ça me dit rien, merci. Bah, moi, je préfère me coucher tôt. Mais le plus simple, c'est qu'on prenne Tracy et vous, vous sortez en amoureux. Parfait. Alors, qu'en dis-tu? Non, non, vas-y tout seul. Tu t'y prends comme un chef. Alors, tu t'es bien défoulé au centre commercial? Quoi? Rick m'a dit que tu as fait les boutiques hier. Non, je lui ai dit que je restais à la maison pour préparer des cookies pour l'école. Ah! Pat, est-ce que ça va? Oui, j'en ai un peu marre des virées du vendredi soir. Je comprends. Je débarrasse la table? Merci. Le vendredi soir, c'est comme une tradition pour moi.
C'est pas ce qu'elle a en ce moment. Parle-lui. Essaie d'arrondir les angles. Son attitude, elle n'a que ce qu'elle mérite. Comment ça, que ce qu'elle mérite? Ce n'est pas sa faute. Elle n'a rien à voir là-dedans. Tu dois assumer tes responsabilités envers ta famille. Ne me fais pas la morale, j'ai la situation en main. Je t'en prie, entre. Tu tombes à pic, toi aussi. Tu ne pourrais pas faire un effort un vendredi soir pour Pat? Il y a tous les copains qui m'attendent. Bon, ça va, je vais aller la voir. De quoi vous parliez? Rien du tout. Des histoires de famille. Ils avaient des problèmes de couple? Bien entendu, qui n'en a pas. Vous êtes marié, inspecteur? Fut un temps. Des problèmes? Revenons-en à la matinée en question. Donc ce samedi-là, il devait être 7 heures quand le téléphone a sonné. Il vaut mieux que je réponde. Oh. Allô? C'est Rick. Bon, ne bouge pas, je viens. Il me demande d'aller le voir. Oh, qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien, j'ai rien compris. Il faut bien comprendre qu'ils étaient soudés. Donc le fait que Rick appelle Dave aussitôt m'a semblé parfaitement normal. Je me suis levée quelques minutes après. Je préparais du thé quand j'ai entendu de l'agitation dans la rue. Je suis sortie pour voir ce que c'était. Quand j'ai vu la police, j'ai tout de suite pensé qu'ils avaient été cambriolés. Et puis j'ai vu l'ambulance. Et là, j'ai su qu'il y avait eu un drame. Non, non, il est en bas, dans la cuisine. Elle n'a rien. Il a appelé à quelle heure? Il y a une vingtaine de minutes. Personne n'entre et ne touche à rien. À vos ordres. Le médecin légiste a été averti? Oui, il est en route. Qui est-ce? C'est bon, c'est ma femme. Elle ne devrait pas être là. La pièce est sous contrôle judiciaire. Rick est blessé, il est en bas. L'attention est un peu élevée. Stan. Il revient à lui. C'est bon, il s'occupe de lui. Quel est ton diagnostic? Léger traumatisme. Une bosse, pas d'hémorragie. Quelques écorchures au niveau du cou. Ah, doucement. Une épaule démise. Ah. Je vais lui mettre une attelle. Sa tension a l'air de se stabiliser. Y a-t-il un membre de la famille présent? Oui, moi. C'est mon frère. Est-ce que votre frère est allergique à certains médicaments? A-t-il de la tension? Fait-il de l'apoplexie, des fois? Non. Il est tombé dans les pommes. Quand je suis arrivé, il était conscient. C'est souvent comme ça avec les traumatismes crâniens. Où en est-il? 13-9. Ah, ça se stabilise, mais il faut l'amener à l'hôpital au cas où. Va chercher le brancard. Rick! On est là. Où est Pat? Ça va aller, Rick. Tout va bien se passer. Quelqu'un a fermé la porte de ma chambre. C'est rien, ma chérie. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces gens dans la maison, Tante Gwen? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Ton papa s'est fait mal en tombant. Le médecin est venu voir s'il allait bien. Alors pourquoi il y a aussi des policiers? Il y a un voleur dans la maison? Allez, non. Emmène-la. D'accord. Rejoins-moi à l'hôpital. Parfois, l'ambulance ne connaît pas la route et la police s'accompagne. Tu vas venir avec moi à la maison. Et tu sais quoi? On va allumer la télévision, tu veux? Je vais te mettre la chaîne des dessins animés.
Je vais faire le petit déjeuner. Et on passera la matinée avec Erika. C'est bien, non? Erika, quand le dessin animé sera fini, vous irez jouer dans ta chambre, d'accord? Oui, maman. Oui, c'est ça. Son état est stabilisé. D'accord, merci. Gwen, je suis là, maman. Comment va-t-il? D'après le médecin, son état est stable. Oh, la pauvre petite. Je ne lui ai encore rien dit. Je pense qu'on va la garder avec nous un moment. La seule chose, c'est qu'ils ne doivent pas dépasser cette ligne, d'accord? Je compte sur toi, hein. Alors, comment va Tracy? Elle est avec ma mère et Erika. Des nouvelles de l'hôpital? Justement, j'y vais, là. S'il vous plaît, derrière la ligne. Laisse-moi une minute et je t'ouvre un passage. Merci. Jack, m'aide à les faire reculer, que la voiture puisse passer. Le sol au pied d'échelle. Tout de suite. Photographie aussi le carreau qui est cassé. Oui. Tu notes que l'échelle est posée à l'envers. C'est noté. Elle s'enfonce dès qu'on monte. Ça y est, c'est bon, tu peux sortir. C'était un cambriolage? À première vue. Comme Rick est médecin, ils ont dû penser qu'ils trouveraient de la drogue chez lui. Toi, ça va? Pas terrible. Écoute, n'hésite pas à m'appeler de l'hôpital si tu as besoin de quelque chose. Williams, dégage-moi cette fréquence et occupe-toi de tes oignons. Ils ne soupçonnent pas Rick, quand même. On soupçonne le mari en premier, t'inquiète pas. Procédure habituelle, c'est normal. Non, ce n'était pas normal. Dès le début de l'enquête, le docteur Todson était notre principal suspect. Le seul, vous voulez dire? Non, pas au début. Et maintenant? Madame Todson, si vous avez des informations susceptibles de faire avancer l'enquête ou d'innocenter le docteur Todson, nous vous écoutons. Puis-je continuer? Faites. Merci. En arrivant à l'hôpital, on m'a informé que Rick s'était blessé à l'épaule, qu'il avait de multiples contusions et qu'on lui avait fait des radios pour voir s'il n'avait pas de traumatisme. Madame Todson, Todd Holman, nous n'avons pas été présentés, je crois. C'est vous qui êtes chargée de l'enquête? Oui. Vous allez coincer l'enfant de salaud qui a fait ça? On fait tout pour. Comment va votre frère? Oh, ça ne va pas très fort. Ils n'ont pas arrêté de lui faire des examens. Excusez-moi, monsieur Todson. Le scanner a révélé qu'il n'y aurait pas de séquelles. L'électrocardiogramme est normal, mais un neurologue va passer. Sur le plan émotionnel, comment est-il? Il vous a parlé de sa femme? À plusieurs reprises. Et de sa fille? Je ne crois pas, mais il est encore désorienté. Nous pouvons le voir? Pas longtemps. C'est vous qui l'informerez du décès de sa femme? Oui, on s'en charge. Bon, vous pouvez y aller maintenant. Appelez-moi quand vous voulez, n'hésitez pas. Excusez-moi. Je sais que vous avez besoin d'être un peu seul, mais... Eh bien, c'est bien, laissez-nous. Plus vite je lui parlerai, plus grandes seront nos chances d'avoir son agresseur. Votre attitude commence à m'énerver. Je veux seulement faire mon boulot. Soyez gentil, on préfère être seul. Il vient de perdre sa femme. Allez-y.
Alors, Frangin, t'es réveillé? C'est comme si j'avais la tête dans un étau. Essaie de ne pas trop bouger. Tu te rappelles ce qui s'est passé? J'ai entendu du bruit. Peut-être 5h, 5h30, je sais plus. J'ai commencé à faire jour. Et alors, je suis descendu. Ça me revient, j'ai pris mon arme. Je lui ai dit de s'enfermer là-haut. Elle est morte. Pat est morte. Ça va aller? Non. Entretien avec le docteur Rick Dodson, lundi 1er septembre 1995 à l'hôpital Longwood. En présence de l'inspecteur Holman, de Dave Dodson, le frère du sujet, et de Gwen Dodson, la belle-sœur du sujet. Présent à la demande du sujet. Alors, docteur Dodson, êtes-vous en mesure de me raconter ce qui s'est passé l'autre jour à votre domicile le matin du 30 août? Soit il y a 2 jours. La veille, j'étais dans un bar avec les copains, le Ten Spot. Jusqu'à quelle heure? 1h30, 2h. J'avais pas mal bu. Mes cheveux, ainsi que mes vêtements, sentaient la cigarette. Pat avait horreur de cette odeur. Enfin, bref. J'ai pas voulu la réveiller, alors je me suis assoupi dans le fauteuil de la chambre. Soudain, vers 5h, 5h30, j'ai entendu du bruit. Ça venait d'en bas. Du bruit? Comment ça? Je sais plus. Comme quelque chose qui tombe. Ça ressemblait à... À vrai dire, j'en sais rien. À cause du ventilateur, on n'entendait pas bien. Vous laissez le ventilateur tourner toute la nuit? Oui. Oui, comme ça, on n'a pas chaud dans la chambre. J'ai entendu du bruit. Ferme la porte derrière moi. Vous avez automatiquement déduit que quelqu'un s'était introduit chez vous? Il y avait eu une série de cambriolages dans le quartier. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Franchement, sur le moment, j'y ai pas pensé. J'avais dormi quoi, 2 heures. J'avais bu. Si j'avais réfléchi, on n'en serait pas là. Il m'avait semblé entendre du bruit en bas, mais j'en étais pas tout à fait sûr. J'ai dit à Pat de fermer à clé derrière moi. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Tracy. Je me suis assuré qu'elle dormait bien. Et je suis descendu. J'étais là, l'arme au poing, quand j'ai réalisé tout à coup que je savais pas quoi faire. C'est vrai, quoi, il fallait que je hurle, ou bien que je me taise, allumer la lumière ou rester dans le noir. Rick. Tenez-vous-en à ce qui s'est passé. Elle était grand, plus grand que moi. Et surtout très fort. Je veux dire,
Je fais du sport. J'ai l'habitude de me défendre. Mais là, j'ai rien pu faire. Il m'a surpris par derrière. Et on s'est battu. À un moment, pendant qu'on se battait, j'ai fait tomber mon arme. Pour finir, il a dû m'assommer parce qu'après, c'est le trou noir. Il y avait un écrin vide au pied du lit, doublé de velours. Le pendentif en diamant. Il l'a volé. Elle le mettait toujours près du lit, dans la table de chevet. C'était son préféré. Elle l'aimait tellement qu'elle ne l'enlevait que pour dormir. Le matin, elle... Je boirais bien un verre. Allez, ça suffit. Vous ne voyez pas qu'il est à bout de force? Je peux revenir une autre fois, si vous préférez. Non, non. Je veux qu'on coince ce salaud. Finissons-en. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la cuisine. Ma tête me faisait très mal. J'ai eu comme le tournis en me mettant debout. J'ai pu prendre le téléphone et j'ai appelé Dave. C'est la dernière chose dont je me souvienne. Je n'ai repris conscience qu'ici. Vraiment? Vous avez oublié l'arrivée de votre frère? Aucun souvenir des sirènes de police et de l'ambulance? Rien? Non, rien. Chéri, attends. Il ne l'a pas cru, il croit qu'il ment. Tu as vu son regard? À un moment, j'ai cru qu'il allait lui passer les menottes. Tu manques de te faire tuer, tu perds ta femme. Oh, on va prendre un avocat. Comment est-ce qu'il s'appelle? Denison. Mark Denison, il paraît qu'il est bon. C'est du harcèlement ce qu'ils font. Ils n'auraient pas tué Pat. Ta vie tourne au cauchemar et tout ce qu'il trouve à faire, c'est t'enfoncer. Chérie, on appelle l'avocat aujourd'hui. Nous remettons Pat Todson entre tes mains pleines de miséricorde. Qu'elle connaisse désormais la paix éternelle, libérée des tourments de cette vallée de larmes. Amen. Amen. Rick, s'il vous plaît, repartez avec nous. Kate, je ne peux pas. J'ai trop de choses à faire, mais je suis touchée. On doit se rapprocher, nous sommes votre famille. Pat aurait voulu que vous veniez. Je sais, je sais. Dès qu'il le pourra, il viendra. N'est-ce pas, Rick? Oui, bien sûr. J'irai chez vous dès que tout sera fini. Si ça ne vous embête pas, je passerai vous déposer Tracy quelques jours. Bien sûr. Oh, avec grand plaisir. D'accord. Oh, je t'aime très fort, mon trésor. Moi aussi, je t'aime, mamie. Cette fois, ça y est, ça me paraît trop simple. On y va, chérie? On ne peut pas laisser maman ici. Elle va attraper froid, papa. Oh, chérie, maman n'aura pas froid ici. Elle n'aura plus jamais froid. Elle ne sera plus jamais malade, ni fatiguée, ni en colère. Tu comprends ça? Elle nous surveillera d'en haut, dans le ciel. Elle nous protégera parce que maman nous aime. Et elle nous aime plus que tout au monde. Mais elle veut surtout qu'on soit heureux, même si elle n'est plus là. Même si, au fond, elle nous manque terriblement. Notre rôle est de faire plaisir à maman en apprenant à être heureux sans elle. D'accord? D'accord. C'est ce qu'aurait dit n'importe quel père qui aime son enfant. Mais personne ici ne sous-entend que le docteur Todson n'aime pas sa fille. Mais vous pensez qu'il a froidement assassiné sa femme 2 jours auparavant? On peut très bien adorer ses enfants et être un meurtrier. Les médias en étaient convaincus aussi. En fait,
Je crois que toute la famille avait un doute. Ça fait 2 ans que vous travaillez avec Gwen Todson. On peut dire que vous êtes une amie de la famille. Pas vraiment, un peu. Vous a-t-elle fait des confidences sur ce qui s'est passé? J'ai seulement lu les journaux comme tout. Avez-vous remarqué un détail? Excuse-moi. Madame vous Todson. Attendez que vos enfants sortent de l'école? Non. Donc vous n'avez rien à faire ici. Je vais appeler la sécurité. Madame Todson, votre beau-frère... Ne remettez jamais les pieds ici. C'est clair? Ah, Gwen. Bah, t'es là, mais... Ça ne va pas? J'ai eu droit à de la visite au bureau. Des journalistes? Il y en avait devant l'école aussi. Non, moi, c'était pas des journalistes. La police est venue me parler, ce Holman. Il dit que je mens pour protéger Rick. Il voudrait me faire passer au détecteur de mensonges. Je l'ai envoyé paître, lui et sa machine. Ils ont investi mon cabinet, les fumiers, en plein milieu de la journée, soi-disant pour faire une perquisition. J'ai exigé de voir leur mandat. Mais tu parles, la moitié des patients est partie. Ils sont passés chez Dave aussi, et des journalistes m'attendaient devant l'école. Oh, je suis désolé. Vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Visiblement, ils n'ont pas l'intention de lâcher prise. Tu devrais peut-être quand même... Allez voir cet avocat. Mais quoi? Pourquoi? J'ai rien fait. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, elle est magnifique. Elle va l'adorer. J'en ai rarement vu une aussi belle. Tu as dû y passer toute la nuit. Oui, depuis le temps qu'elle me la demande. Et puis ça m'a permis de réfléchir, tranquille. Regarde. Oh non. Dave Todson refuse de passer au détecteur de mensonges. C'est pas grave, j'ai pris une décision. Je vais descendre voir Holman à la première heure. Je refuserai le détecteur, mais je répondrai à leurs questions. Espérons qu'après, ce sera fini. Bon, je t'accompagne. Non. C'est moi qu'ils veulent. Toi, va à l'école. Je passerai te voir dès que j'aurai terminé. D'accord. Bien. Je ne dis pas que tu devrais le faire, mais... Pourquoi tu refuses le détecteur? Il y a une chose que je t'ai pas dite. Une chose qui s'est passée le matin du meurtre. Thank you.
mon tour de rigoler. Bien. Gwen, le directeur te demande. Ah, d'accord, très bien. Bon, je vais laisser Laura vous terminer l'histoire. Et quand je reviendrai, vous me dessinerez tous une magnifique girafe. À tout de suite. Je comprends combien il est éprouvant pour vous de revivre la mort de votre mari. Voulez-vous quelque chose? Bien sûr. Je voudrais bien que Dave soit en vie et qu'il m'attende à la maison, par exemple. Nous ne sommes pas responsables de sa mort. Ah non? S'il ne s'était pas rendu à votre bureau ce matin-là, épuisé et contrarié parce que vous vouliez absolument le faire passer au détecteur de mensonges, il serait encore en vie aujourd'hui. Vous ne nous avez toujours pas dit de quoi il vous a parlé avant de partir. Il m'a parlé du matin du meurtre. Rick ! Ici. Rick ! Dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, Rick ? Rick ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y avait un mec, on s'est bagarré. Oh, mon Dieu. Oh, ma tête. Oh. Où est Tracy ? Où est Pat ? Elles sont là-haut. D'accord, d'accord, attends. Oui, il me faut la police et une ambulance au 75 rue Birch. Mon frère, il est blessé. Il est en train de s'évanouir. Je ne sais pas, un cambrioleur. Oui, dépêchez-vous. Je vais aller voir là-haut. J'arrive. Rick. Rick. Rends-moi service. Oui, quoi? Il faut à tout prix que tu m'aides. Que lui a-t-il demandé de faire? Ces lettres ont été envoyées par une certaine Carla Forrest. C'est l'assistante de Rick au cabinet dentaire. Des lettres d'amour. Un an avant la mort de Pat, ils avaient déjà rompu. Pat était au courant, ainsi que Dave. Voilà ce qu'il m'a raconté le matin où il s'est tué. Elles étaient cachées dans le bureau de Rick et il a demandé à Dave de les détruire. Mais votre mari ne l'a jamais fait. Non. Il savait son frère coupable. C'est de la dissimulation de preuve. Non, c'est faux. Les avez-vous lues? Oui. Et alors? Aucun doute, elle était amoureuse de lui. Et après ça, vous allez encore nier que votre beau-frère savait que sa femme était morte avant de la prendre à l'hôpital. C'est pour ça qu'il voulait que votre mari détruise les lettres. N'ayant jamais revu Pat, il pouvait le supposer. Le supposer, mon œil, il l'a tué. La preuve. C'est faux, inspecteur. La seule chose que ces lettres prouvent, c'est que Rick a eu une liaison avant la mort de sa femme. Dave savait que vous sauteriez sur l'occasion. Il n'a pas voulu enfoncer son frère. Il a dissimulé des preuves, madame, et vous aussi. Vous pouvez appeler ça comme ça vous chante. Très bien. D'accord. Je vois. Vous et votre beau-frère nous reprochez la mort de votre mari. Oui. Qui plus est, vous portez le deuil tous les deux, d'ailleurs. Vous êtes voisins, vous êtes amis de la même famille. Nous avons des choses en commun. Mm-hmm.
C'est pour ça que vos rapports deviennent de plus en plus intimes. Espèce de salaud! Regarde, maman, dans le manège, c'est Tracy. Bien, descends. Alors, ça t'a plu? Super. Oui? Attends, ferme pour moi. Tracy, salut, Erika. Tu viens faire un tour de manège? D'accord. Très bien, allez-y. Je prends le cheval. Bon, d'accord, alors moi, je prends l'éléphant. C'est moins facile pour nous. C'est pas comme les enfants. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Même traverser la rue, c'est difficile. C'est pas ça. Tu sais, quoi. Non, je ne sais pas. Tu manques à Tracy, et à moi aussi. On pourrait se voir plus souvent. Vous êtes la seule famille qui me reste. Tu sais ce que Dave dirait s'il était là? Il dirait: d'où vient ta pointe? À qui c'est attendre? Oui, c'est sûrement ce qu'il dirait. Je n'ai jamais été aussi patient que lui. Écoute, Dave m'a dit au sujet de ta liaison avec Carla, et pour les lettres aussi. Je te raconte toute l'histoire, ce qui n'excusera rien. Oui. C'était physique. Tout simplement. Je trouvais Carla différente et, disons, excitante. Avec Pat, c'était comment dire? C'était plus ça, quoi. J'ai commencé à la tromper. Je ne savais pas comment faire pour m'arrêter. Au fond de moi, je savais que ça ne pouvait pas durer. J'aimais quand même Pat. J'étais pris entre ces deux femmes, ne voulant en faire souffrir aucune. À un moment, j'ai cru devenir fou. Dave t'a dit que j'ai fait une dépression? Non. J'étais au bout du rouleau, je déprimais. Je tournais en rond. Alors j'ai fini par aller à l'hôpital. En entrant, j'ai regardé les malheureux qui m'entouraient. La plupart étaient des locumènes. Incapables de faire face à la réalité. Alors là, je me suis dit... tu n'as pas le droit de faire comme eux. Je suis rentré à la maison et j'ai tout avoué. Ça lui a fait énormément de peine. Mais Pat m'a pardonné. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Mais Carla a continué à travailler avec toi. On avait rompu. Je n'allais pas en plus la renvoyer du cabinet sous prétexte que j'avais eu une faiblesse. Qu'attends-tu de moi exactement? Ce ne sera plus jamais comme avant. Ça, je le sais. Mais cette petite fille là-bas est la fille unique de mon frère. Ça va sûrement te paraître méchant, mais perdre Dave, ça a pour ainsi dire été pire pour moi que de perdre Pat.
Et vous voir, Erika et toi, ça me donne la force de tenir. Bonjour. Bonjour, Gwen. Venez, entrez. Non, nous ne restons pas longtemps. Au moins dire bonjour à Erika. Nous revenons du commissariat. Ils vous ont appris du nouveau ? Non, hélas. Les policiers pensent que Gwen, c'est... c'est qui ? Rick est là. Oui, on s'apprêtait à passer à table. Venez lui dire bonjour. Non. Kate, allons-nous-en. Qu'est-ce que la police vous a dit ? Parlez. Nous ne voulions pas le croire au début. Kate! Allez les voir, Gwen. Ne faites pas de bêtises. Prenez garde. Il y a des choses que vous ignorez. Alors, c'était qui? Oh, personne. C'était une erreur. Allez, viens, la table est mise. J'arrive. Bel effort. Oh, merci. Il y a un problème ? Je te trouve un peu culottée de me poser la question. Si tu as quelque chose à me dire, vas-y, je t'écoute. Ne me prends pas pour une idiote, tu sais très bien ce qu'il y a. Je peux comprendre tes motivations, mais surtout ne me demande pas d'approuver ce que tu fais, ni aux autres d'ailleurs. Mais je n'ai rien à cacher, encore moins à me reprocher. Alors tu devrais peut-être faire un peu plus attention aux apparences. Non, je n'ai jamais jugé une personne sur les apparences. Si toi et les autres, comme tu les appelles, avez l'esprit mal tourné, c'est vous que ça regarde. Je m'attendais à un peu plus d'indulgence de la part d'une amie. Oui, sûrement. Ensuite, j'irai chercher les filles au parc. Elles faisaient une sortie avec l'école. Je les ramènerai à la maison directement. Ah, ça y est, le dentiste est de retour. 2 minutes de retard, un record. Merci pour le déjeuner. Docteur ? Oui, je sais, je dois opérer. Gwen doit passer un coup de téléphone. Madame Addison est dans quelle salle, la numéro 2 ? Elle a annulé. Quand ça ? Elle a appelé il y a un quart d'heure. Elle a donné une raison ? Elle a dit qu'elle avait un empêchement. Comme par hasard. Elle a repris rendez-vous ? Non. Quand elle le fera, pas de traitement de faveur. Elle attendra qu'on ait de la place. Ça lui apprendra. C'est pour ça que les médecins sont injoignables. Vous vous vengez des patients. Exactement. C'était la seule patiente de l'après-midi ? Oui. Voilà ce qu'on fait. On passe ton coup de fil, j'ai une chose à régler et on ira prendre les filles ensemble. Super. Bonjour maman, c'est moi. Oui, je rentrerai d'ici une demi-heure. Je vais chercher les filles avec Rick. Quoi ?
Son assistante, elle est à côté. Bon, très bien. Je lui dis d'annuler le rendez-vous. Je ne tarde pas à rentrer. D'accord, à plus tard. Tous les rendez-vous sont annulés? Évidemment, à ton avis. Tu es le meilleur dentiste de la ville. Ils reviendront tous, tôt ou tard. Ouais, ça m'étonnerait. Heureusement que tu es là. Tu me manques, Rick. Je trouve scandaleux que Rick fréquente encore cette fille. Attends, je n'en suis pas certaine. Oui, tu passes pas mal de temps en sa compagnie. J'ai parlé avec la mère de Pat. Elle se fait du mauvais sang pour toi. Maman, ce n'est pas parce qu'il a peut-être une liaison avec cette fille que ça en fait un meurtrier. Tout le monde souhaite que l'enquête aboutisse et qu'on arrête le meurtrier. Mais là, vous êtes en train de porter des accusations terribles. Tu l'imagines faisant une chose pareille? Bonsoir. Bonsoir. Ta fille est couchée? Oui, ça fait une bonne demi-heure qu'elle dort. Je te remercie de venir m'aider à remplir ce papier. Aucun problème. Ça fait trop longtemps que je remets ça. Tu es sûr de vouloir faire ça ce soir? Un jour ou l'autre, je devrais le faire. Je n'arrive même plus à dormir ici. Pat est morte sur ce lit. C'est l'assurance qui a envoyé ça? Oui, j'ai besoin de toi pour décrypter. Vous aviez tout assuré? Oui, bien sûr. C'est le pendentif de Pat qui avait le plus de valeur. À mon avis, le type a fouillé la chambre et il n'a embarqué que le pendentif en diamant. Mais la police voulait un inventaire complet, alors ça va peut-être les aider à retrouver le coupable. Enfin, je vois pas comment. Il n'a rien pris qui t'appartenait? C'est un peu de liquide que j'avais caché dans le placard. C'était une belle journée. Au fait, où est-elle? Quoi donc? Ta chaîne en argent. Tu ne l'as quittée jamais. Tu ne la portes plus à présent? Oh, je l'ai perdue 2 ou 3 jours avant que... Enfin, quelqu'un a forcé mon vestiaire au gymnase. Pat me l'avait offerte le jour de mon anniversaire. Oui, je m'en souviens. Elle a eu beaucoup de peine quand je lui ai dit qu'on me l'avait volée. Bon. Allons-y. Boucle d'oreille en or 18 carats avec émeraude. Mm-hmm. Les voilà. Très bien. Broche en or 18 carats avec 7 perles. Ah, Madame Todson. Vous préférez que je parte? Non, 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 je vous en prie. Votre aide nous a été précieuse. Ça vous surprend, on dirait? En toute franchise, oui. Pat était ma meilleure amie. N'ai-je pas le droit d'être scandalisée par sa mort? N'ai-je pas le droit de vouloir que l'assassin soit arrêté et châtié? Même si l'assassin est Rick Todson? Si vous êtes certain que Rick a tué Pat, comment se fait-il que vous n'ayez pas arrêté? Certains détails confidentiels de l'enquête ne sont pas encore élucidés. Je vais vous le dire, moi. Parce que tout ce que vous avez contre mon beau-frère, ce sont des hypothèses. Non. Nous sommes face à un homme qui a passé la nuit dans un bar et qui est rentré ivre-mort. Il bat sa femme, puis il l'étrangle alors que leur fille dort dans la pièce d'à côté. Moi, ce que je vois, c'est un cambrioleur banal, probablement drogué, qui voulait se procurer de l'argent. Il a pénétré dans une maison occupée en montant sur une échelle qui était posée et à l'envers. Par enchantement, n'a pas laissé de traces. Non, parce que vous êtes monté après que l'arrosage ait ramolli la terre. C'était pour attirer notre attention. Le carreau était cassé de l'intérieur. Et je vous parie que c'est Rick lui-même qui a enfoncé c'est la une porte. Hypothèse. La pièce était sans dessus dessous. Le cambrioleur n'aurait pas agi comme ça. Le ventilateur ne servait qu'à refroidir le corps. Pour masquer l'heure de la mort, le suspect revient à lui, après s'être fait agresser chez lui, et il n'appelle pas la police, mais son frère... Oui, il est blessé, désorienté, le 1 sur la mémoire du téléphone, c'est nous. Oh, quelle mauvaise foi. Madame Todson, il s'est fait ses blessures lui-même, tout seul, il a tout truqué sans aucun scrupule. Arrêtez avec ça, il était couvert de bleu, il a passé des jours à l'hôpital et vous insinuez qu'il s'est fait ça lui-même. Mais prouvez-le. Prouvez ce que vous avancez.
Maman, tu peux me passer Erika? Alors ça va ma beauté? J'espère que tu es bien sage. Très bien. Non mon chat, c'est mamie qui va te mettre au lit. Oui, oui, bien sûr qu'elle peut te lire un livre, mais seulement un chapitre, d'accord? Très bien. Je te ferai un bisou en rentrant. Je t'aime. À plus tard. Tout se passe bien? Ça va. Quel âge a votre fille? Elle a 7 ans. Mon fils en a 8. Ils grandissent à une vitesse. Avec Dave, on voulait en avoir plusieurs. Un deuxième, c'est sûr, même un troisième. Maintenant, ça va être compliqué. Vous savez, Madame Todson, ce n'est pas parce que le ton est monté à un moment... Ça fait partie de votre travail. Une chose m'échappe. Pourquoi êtes-vous venue nous voir? En premier lieu, pour échanger des informations. On ne vous a pas appris grand-chose. Ah, vous trouvez? Vous voulez qu'on continue? Oui, bien entendu, sauf si vous et l'inspecteur n'êtes plus intéressés. Bon, mettons les choses au clair, Madame Todson. Aucun de vos arguments ne nous a fait changer d'avis. Rick Todson a tué sa femme, point final. Si vous espérez nous convaincre du contraire, c'est du temps perdu. Voulez-vous dire à l'inspecteur pourquoi je suis venue? Pour échanger des informations. Précisément. Voulez-vous qu'on reprenne? Oui. C'est durant cette période que les choses ont commencé à changer. Je ne comprenais pas ce qui arrivait à Rick. Il agissait très bizarrement et son comportement était de plus en plus imprévisible. Bonsoir, comment ça va? Ben ça va, mais pourquoi es-tu passé par le jardin? Je voulais te faire une surprise. J'ai apporté une bonne bouteille de vin. C'est pour fêter quelque chose? Oui, c'est possible. J'envisage de déménager mon cabinet dentaire. Où ça? Dans le Montana. J'ai des copains dentistes qui habitent là-bas. Ça marche du tonnerre, ils m'ont conseillé de les rejoindre. Tu es sûr que... Que quoi? Ben, tu crois que c'est une bonne idée de partir? L'enquête judiciaire n'a pas abouti. Pat est morte, Dave est mort. Je dois songer à prendre un nouveau départ. Je ne vais pas rester tributaire d'une enquête qui risque de durer éternellement. Ni d'un inspecteur qui épluche ma vie au microscope. Et je ne veux pas m'accrocher au passé. Tracy mérite beaucoup mieux que ça. À ton avis, c'est ce que je fais? Je m'accroche au passé? Pars avec moi. Quoi? Oui, sérieusement. Ce sera un nouveau départ. On fondera une vraie famille. C'est comme ici. Ils ont besoin de bons enseignants là-bas aussi. Le coin est sympa, la vie agréable. Erika et toi, vous vous y plairez. Attends, attends, pas si vite, pas si vite. Calme-toi. Je sais tout ça. C'est un peu rapide, mais on a peut-être besoin de ça, d'un peu de spontanéité. Tu vends la maison, t'en trouves une autre là-bas, moi aussi. Et peut-être pas dans la même rue comme ici, mais proche quand même. Tracy et Erika pourraient grandir ensemble, loin de toute cette tristesse. Mais Eric, je ne peux pas partir au milieu de l'année scolaire. Tu me rejoins après? Je pars en éclaireur s'il le faut, du moment que tu me suis. Tu ne partiras pas si je ne viens pas? Oh, à vrai dire, je n'y ai pas encore réfléchi. Mais maintenant que Dave et Pat sont morts, tu es ma seule famille. Je ne veux pas te perdre, toi aussi. Je ne veux pas qu'on se perde de vue. Tu sais, quand on ne s'écrit que pour Noël, pour les anniversaires et pour les vacances. Allez, quoi, on peut bien s'épauler, non? Pour les enfants, déjà. Il n'y a pas de mal à ça, hein? Hein?
Il se fait tard. Il vaut mieux que je rentre. Réfléchis bien. C'est bien comme endroit, le paradis? Oh oui, chérie, c'est très beau et ceux qui y habitent sont très heureux. Tu crois qu'un jour j'aurai une nouvelle maman? Oh, ça, je l'ignore. Il en dit quoi, ton papa? Il a dit l'avenir le dira. J'espère que ce ne sera pas la dame aux cheveux bruns. Je l'aime pas du tout. Quelle dame? Des fois, elle vient dormir à la maison. Je les ai vues. Papa ne le sait pas. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est elle qui ne m'aime pas. Un soir, elle m'a vue, elle a couru, elle a claqué la porte. Trésor, je suis certaine qu'elle ne l'a pas fait exprès. Cette dame, tu sais comment elle s'appelle? Papa l'appelle Maggie. Tu peux venir, j'ai des choses à te dire, tout de suite. Tu devrais faire un tout petit peu plus attention aux apparences. J'ai pas été sympa. Je suis désolée. C'est jalouse, c'est bête. C'est Rick qui te l'a dit? Non. Tracy t'a vu et tu l'as vu aussi. Alors, ça dure depuis quand? Peu avant la mort de Pat. 6 mois à peu près. Tim et moi, on va divorcer. Et ça règle tous les problèmes, c'est ça? J'aime vraiment Rick. Je me sens coupable de beaucoup de choses, mais surtout pas de ça. Entre Tim et moi, c'est exactement comme ça l'était entre Rick et sa femme. C'est devenu vide. Il n'y a plus de fougue, il n'y a plus de passion. Alors qu'avec lui, je me sens revivre. Ce sont tes affaires et les siennes. Moi, je ne m'inquiète que pour Tracy. C'est assez dur pour elle. Tu ne peux pas débarquer et faire comme si elle n'existait pas. J'étais embarrassée, j'ai pas réfléchi. J'ai commis une erreur. Mais tu peux me faire confiance, je t'assure, ce genre d'incident ne se reproduira plus. Surtout maintenant. Comment ça, maintenant? Rick m'a... Il m'a demandé de le suivre dans le Montana. Et j'ai accepté. On va prendre un nouveau départ. Nous allons fonder une vraie famille. Ce sont ses mots? Oui. Il avait une autre maîtresse. Oui, et il y a des témoins qui les ont vus ensemble. Elle était avec Rick au Ten Spot, le soir même où Pat a été tué. Elle me l'a avoué. Vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de témoins. Elle vous le dira s'il le faut. Elle l'aime. Elle viendrait... Une minute. Vous avez dit que Pat Hudson savait que son mari avait rompu avec Carla Forrest. Mais était-elle au courant pour la seconde? Non, je n'en suis pas certaine. Mais ça n'a aucune importance. Rick avait des maîtresses, Pat savait qu'il la trompait. Ce n'est pas ça qui fait de lui un assassin. Là, je n'arrive pas à vous suivre. La subtilité du raisonnement m'échappe. Vous venez nous voir. Votre meilleur ami s'est fait tuer. Ça a tellement bouleversé votre mari qu'il s'est tué au volant. Et vous nous donnez des informations qui ne font qu'accabler votre beau-frère. Et pourtant, vous persistez à dire qu'il est innocent. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire? Je n'ai jamais dit qu'il était innocent. Pardon? Vous avez une question à me poser. Allez-y. Elle vous brûle les lèvres. Avez-vous couché avec lui? Non. Est-ce qu'il aurait bien aimé? Rick a toujours été en compétition avec son frère, même après qu'il soit mort. Gagner pour lui, c'est essentiel. Avez-vous été tentée? La pauvre veuve effondrée par la mort de son mari.
et son charmant beau-frère toujours là aux petits soins pour elle. Répondez, ça vous a tenté ? Pas l'ombre d'une seconde. Rick Todson, cette espèce de pourriture, a tué de ses mains ma meilleure amie. Il a brisé la vie de mon mari, et pour ça je veux le voir payer. Vous êtes donc disposée à témoigner ? Absolument, tout ce que vous voudrez. J'ai même des preuves. Carla me les a fournies à son insu. Qu'est-ce que vous faites là ? Il faut qu'on parle. Je savais qu'il voyait une fille à la salle de gym. Il ne le disait pas ouvertement, mais il ne s'en cachait pas non plus. C'est pour ça que la première fois que je vous ai vue, avant de savoir qui vous étiez, j'ai cru que c'était vous. Il ne voulait pas me faire de peine. Ce n'était pas son genre. Rick est une des personnes les plus honnêtes que je connaisse. Il est incapable de mentir. Donc vous n'avez jamais rompu, même après qu'il l'ait dit à Pat. Pendant 2 mois, on s'est séparés. Mais on s'aimait trop fort. C'était passionné, alors que ce n'était plus le cas avec sa femme. Il aimait que je lui écrive des lettres d'amour enflammées. Cet après-midi-là, on a fait l'amour, la veille du jour où Pat a été tué. Et ensuite, après ce qui s'est passé, en y repensant, j'en ai été malade. Est-ce que ce jour-là, il portait sa chaîne en argent ? Bien sûr. Il adorait cette chaîne, elle lui allait tellement bien. Quel dommage qu'on lui ait volé lors du cambriolage. Au fait, où est-elle, ta chaîne en argent ? Quelqu'un a forcé mon vestiaire au gymnase. Pat me l'avait offerte pour mon anniversaire. Oui, je m'en souviens. Elle a eu beaucoup de peine quand je lui ai dit qu'on me l'avait volée.
tu es là. Il me semblait bien avoir entendu un bruit. Je peux savoir ce que tu fais là? Oh, Tracy a sali son sweatshirt. Je suis venue lui en prendre un propre. Elle est chez moi avec maman et Erika. Mais j'ai fait mettre une nouvelle serrure. J'ignorais que tu avais une clé. Non, je n'en ai pas. C'est ta fille qui m'a dit où vous cachiez le double. Remarque, tu peux la garder, après tout. Tu peux venir quand tu veux. Oh, non, ce n'est pas nécessaire. Tu me manques. On ne peut pas dire qu'on se voit énormément. Bien, il suffit d'y remédier. Je t'ai pas vexé sans le faire exprès, au moins. Non. Non. Tu es pressée? Je dois retourner voir les filles. Ta mère les surveille, non? Oui, mais je dois changer Tracy. Tu es sûre que ça va, Gwen? Oui. Je suis un peu fatiguée. La journée a été longue. Si tu veux, viens à la maison. On a fait des cookies. Mais, si j'ai le temps. D'accord. Et vous êtes sûr que c'est la même chaîne et le même pendentif? J'ai demandé au gymnase. Rick n'a jamais signalé un quelconque objet volé. C'est forcément le même. Demandez un mandat. Attendez, je ne peux pas garantir qu'elle y soit encore. J'ai fait attention de ne pas être trop froide envers lui. J'ai fait comme si de rien n'était, mais je sais qu'il se méfie. Il ne faut pas le sous-estimer. On le sait, ça fait des mois qu'on lui court après en vain. D'après vous, que s'est-il passé cette nuit-là, exactement? Pat aimait Rick. Elle avait été humiliée par sa liaison avec Carla, mais elle avait passé l'éponge pensant que c'était terminé. Et là, voilà que ça recommençait. J'ignore si elle était au courant ou non pour Maggie, mais je sais une chose, c'est qu'elle en avait assez. Vous vous rappelez, dans la chambre d'hôpital, Rick nous a dit qu'elle détestait l'odeur de la cigarette. Je crois que parfum est le mot juste. Je devrais te laisser aller te pavaner en ville avec tes maîtresses, c'est Pat, ça? Je te préviens, ne me cherche pas, hein? Pas ce soir! Je sais pourquoi tu la vois. Avec elle, tu te sens plus jeune. C'est ça que tu vas dire? Prie. C'est ça ton excuse minable? Alors écoute ça! Rick, mon amour, j'aime quand ta main me caresse les... Ah non! Tu m'écouteras, je te garde! Je commence à me fatiguer! D'accord, je prends Tracy et je m'en vais! Non, tu n'iras nulle part! Si, j'en ai marre, je pars! Tu n'iras nulle part, je te dis! Lâche-moi! Vous restez Lâche-moi. Ici, toutes les deux! Ah! Non! Non, je t'interdis de me frapper, viens je te ici. Quitte, je te jure. Arrête, je pars avec elle. Arrête, lâche-moi. Non. Arrête. Lâche-moi. Tu partiras pas avec ma fille. Nick, tu m'étrangles.
Et là, qui appelle-t-il? La police? Non. Dave. S'il arrivait à berner Dave, il bernerait les autres. Et dans le cas contraire, Dave le couvrirait. Il l'avait toujours fait. Bon, mais pourquoi l'a-t-il tué? Pat allait le quitter. Elle aurait emmené Tracy et tout le monde aurait su que Rick la trompait. C'est une petite ville. Sur le plan professionnel, il y aurait eu des retombées. Sa réputation en aurait pris un coup. Il sortait perdant. Et pour Rick, c'était impensable. Rick était un battant. Quoi, il ne se contentait pas de sa femme, et après, il méritait toutes ces femmes. Elles lui revenaient de plein droit, c'était normal. Ces femmes étaient des trophées, les symboles de sa réussite en tant que mâle. Il n'aurait jamais laissé Pat ou quiconque lui retirer ça. Quand avez-vous compris? Le jour où j'ai trouvé la chaîne et le pendentif. Jusque-là, j'espérais vraiment qu'il ne l'ait pas tué. Je voulais lui faire confiance. Dave l'adorait. Pat l'aimait, Tracy, n'en parlons pas. Je l'aimais aussi. Pour toutes ces raisons, je devais à tout prix être sûre. Votre premier soupçon remonte à quand? C'était à l'hôpital quand il nous a donné sa version. Et pourquoi? Pat était vraiment une mère exceptionnelle. Je la vois mal s'enfermant dans sa chambre à double tour, alors qu'un inconnu avait pénétré chez elle en pleine nuit. D'abord, elle aurait pris sa fille, et ensuite elle l'aurait protégée. Moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout cela en arrivant ce matin? Je n'ai pas réussi. J'avais encore peur. Je n'ai plus peur maintenant. Elle est excellente. Il vise la douce. Ouais, c'est ça. Ah, il l'a manqué. Ça doit pas être son jour. Tommy, tu me remets ça? C'est parti, Rick. Approche. Je vais te montrer. C'est un coup fabuleux. Ça s'appelle le 1-2-3. Décale-toi un peu sur la gauche. Tu peux y arriver. Ouais! Gwen? Je suis désolée, je ne te dérange pas. Hein? Non, non, on jouait. Qu'est-ce que tu fais là? T'as toujours détesté cet endroit? Oh, j'ai voulu le revoir une dernière fois. Je comprends pas. Au fait, tu veux boire un verre? Vous devriez faire attention, mademoiselle. On ne sait jamais sur qui on peut tomber dans ce genre d'endroit. Hé, hey, c'est quoi ça? On est vendredi soir. J'ai pas le droit de boire un coup et de faire un billard? Oh, mais si, au contraire. Continue, détends-toi, amuse-toi, passe une bonne soirée. Après tout, on ne sait jamais à l'avance de quoi demain sera fait. Rick Todson fut reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à 20 ans de prison. Aujourd'hui, sa fille vit avec sa grand-mère. Gwen Todson est toujours enseignante dans la même ville.